Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur LTU Radio. Voilà, alors ce soir je mets pas de vidéo, j'ai simplement mis le son. Voilà, donc vous pourrez simplement écouter. Par contre, dès demain matin, il y aura le film qui sera en ligne. Donc vous pourrez regarder l'émission comme bon vous semblera. Voilà. Alors ce soir, on accueille deux parents. Ce sont Laurent et Marie. Voilà, ou Marie et Laurent, on commence toujours par les femmes en général. Voilà, et Laurent et Marie ont, je vais pas dire perdu, parce que c'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile, tout simplement. Elle s'appelle Annabelle et c'est leur fille. Voilà, elle est partie dans des circonstances un peu particulières quand même, il faut le préciser, mais je vais leur laisser le soin de l'expliquer. Voilà, alors j'ai le plaisir de les accueillir ce soir pour venir parler donc dans un premier temps de leur fille Annabelle et dans un second temps de leur du livre que je vous présente là de suite. Voilà, et qui s'appelle Maman, Papa, je vis toujours. Et un petit peu en contrebas, il y a marqué L'âme à Annabelle. Voilà, j'accueille donc Laurent et Marie. Voilà, voilà, comment allez-vous? Ça va bien, et toi? Ça va, impeccable. Voilà, bah, j'ai le plaisir de vous accueillir et c'est grâce à Guy Faverdin que j'ai fait votre connaissance. Voilà, Guy est passé il y a 15 jours à peu près. Tout à fait, voilà. C'est cela et il vous souhaite le bonsoir. Et bah, c'est super gentil. Voilà, bah, merci. Et donc bonjour à nos amis d'Auvergne et plus particulièrement de Clermont-Ferrand. Voilà. Vous êtes de la région d'Auvergne aussi, j'imagine? Alors, nous sommes des Auvergnats d'adoption. Donc, nous habitons à Jumeaux, un tout petit village qui se situe au sud de Clermont-Ferrand. D'accord. Voilà. Alors, on va demander à nos auditrices et auditeurs de poser leurs questions dans le chat s'ils veulent bien. Voilà, et on leur souhaite aussi le bonsoir. Il y a quand même pas mal de monde là ce soir. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur le chat d'LTU Radio, je crois pas. On a été faire un petit tour, oui. Ah d'accord, ben voilà, il y a pas mal de monde là ce soir, rien que pour vous, voilà, et pour Annabelle. Alors, on va commencer par le début, c'est-à-dire dans quelles circonstances est partie Annabelle, et surtout, qui est Annabelle? Alors, on va commencer par vous décrire Annabelle. Voilà. Donc, Annabelle... C'est toujours une jeune fille de 17 ans. Donc c'était une jeune fille qui aimait la vie, qui aimait blaguer, qui riait beaucoup, qui dansait, qui aimait beaucoup parler aussi. C'était une petite pipelette. Et elle faisait des études, elle était en première S au moment de son départ. Donc... c'était une enfant qui aimait beaucoup la vie. Elle a eu, au début de sa vie ici sur Terre, lorsqu'elle était enfant, beaucoup de problèmes de santé. Donc, ce que je disais tout à l'heure, nous sommes Auvergnats d'adoption parce qu'à l'origine, nous sommes Normands. Donc, nous habitions en Normandie. Donc, pour des raisons de santé concernant Annabelle, nous avons déménagé et nous sommes venus vivre ici en Auvergne. Et donc, sa santé s'est nettement améliorée et elle avait pratiquement plus de traitement à prendre au niveau de son asthme. Voilà, donc c'était un problème plus moderne. Pardon, excuse-moi Laurent, vas-y, je te laisse parler. Non, c'était juste pour dire qu'elle est née le 8 mai 1994. D'accord. Donc, elle a quel âge aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, elle a 22 ans. Voilà. Ben, j'ai une fille qui a le même âge. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, elle a, comme tu disais tout à l'heure, elle avait des problèmes pulmonaires. C'est ce qui a fait que vous avez déménagé. Et est-ce que ces problèmes se sont résorbés par la suite ou pas?
Oui, tout à fait, ça s'est résorbé puisque déjà on avait fait un petit essai pour déjà voir quelle région qui était favorable pour elle et qu'on était venu faire une semaine un petit essai et on s'était rendu compte que sa santé s'était améliorée. Donc du coup, on a déménagé, on a quitté la famille, les amis, le travail, vendu la maison et on est venu en Auvergne et ça s'est très très vite la santé s'est améliorée et c'est vrai que c'était un vrai bonheur pour nous. Voilà. Est-ce que comment dire ça, Annabelle était, enfin combien, à quel âge que son problème est arrivé, quoi, quand elle est partie en fait? Elle avait quel âge? 17 ans. 17 ans. Ça faisait longtemps déjà que vous aviez déménagé ou c'était récent? Ah oui. Non, on est arrivé ici, elle avait 6 ans, Annabelle, donc elle a vécu ici pendant 10 ans. D'accord. Et donc elle est partie donc le 21 mai 2011, donc c'est-à-dire juste après avoir fêté ses 17 ans, comme Laurent l'a dit tout à l'heure, elle est née le 8 mai, et elle est partie dans un incendie de maison. C'est 17 ans, comme Laurent l'a dit tout à l'heure, elle est née le 8 mai. Elle a été la seule. Elle est partie de la maison. Dans un incendie de maison. C'est difficile pour nous. Voilà, je vais pas trop parler de l'accident parce que Annabelle n'aime pas qu'on revienne sur ce fait parce que pour elle ça ne veut plus rien dire. Oui. La seule chose qu'elle veut, c'est qu'on avance et qu'on parle de la vie après la mort, physique du corps. C'est ce qui l'intéresse le plus. En fait, il faut savoir que nous, l'au-delà, avant son départ, nous, pour nous, ça n'existait pas. Nous, c'est vrai que déjà, on s'intéressait pas du tout. On a vraiment commencé à la maternelle, comme on peut dire, avec l'évolution qu'on a eue. On est vraiment démarré de zéro. On savait absolument pas. D'accord. En fait, c'est ça, simplement qu'elle veut dire par là qu'elle a franchi une porte. Elle est passée dans une autre pièce. C'est comme dit bien l'adage, être passé dans la pièce d'à côté. Voilà, tout à fait. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Elle est passée dans la pièce d'à côté et elle a absolument tenu à nous dire qu'elle était bien dans la pièce d'à côté. Et pour ça, elle a employé beaucoup de moyens pour nous le faire comprendre. D'accord. Voilà. Et donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, hein, parce que le chat il est archi plein. Voilà. Elle savait qu'elle allait partir. C'est une question un peu. Oui. Alors inconsciemment, elle le savait, puisque à la suite de son départ, elle a fait les premiers signes le lendemain de son enterrement. Donc, c'est-à-dire qu'elle les a fait au cimetière, pour être plus précis. On a trouvé 4 cailloux qui étaient déposés au pied de sa tombe. Oui. Et quand on les a découverts, on s'est posé la question de savoir ce que faisaient ces cailloux à cet endroit. Donc, ne trouvant aucune explication, nous les avons laissés. Et ensuite, le lendemain, c'est ma fille aînée, parce que nous avons encore une fille, Marjorie, qui est descendue au cimetière et qui, en remontant, nous a dit « Maman, il y a encore plus de cailloux sur la tombe d'Annabelle ». Donc, nous sommes allés vérifier, effectivement, il y avait beaucoup plus de cailloux. Et ensuite, nous avons découvert qu'au cimetière, elle avait aussi déposé des cailloux sur d'autres tombes de personnes que l'on connaît, mais uniquement de personnes que l'on connaît, parce que nous avons fait tout le tour du cimetière et il y en avait nulle part ailleurs. Donc là, on a commencé à se poser des questions, à savoir pourquoi ces cailloux étaient arrivés comme ça dans ce cimetière. Donc voilà, on s'est. Donc du coup, on a fait Internet, outil très précieux, très utile, et comme réponse, on a eu rituel juif. Donc oui, effectivement, les juifs mettent des cailloux sur les tombes, mais
nous, dans notre connaissance, on ne connaissait aucune personne qui pratiquait cette religion. Donc, nous sommes restés un bon moment avec cette interrogation-là. D'accord. Et ensuite... Par contre, tout à l'heure, la question était si on avait eu des signes avant le départ d'Annabelle. Tout compte fait, on s'en a aperçu qu'après. Effectivement, elle le savait inconsciemment qu'elle allait partir parce qu'elle a fait un espèce de collage de photos qui était prévu pour la fête des mères. Donc, c'était une semaine après l'incendie, après l'accident. Donc, automatiquement, le collage, ma femme l'aurait eu. Et en plus, il y avait une inscription qui avait pas lieu parce que c'était marqué. Alors, on l'a le collage. Hein. Il est très joli, c'est bien dessiné, c'est bien monté. Et dessous, c'est marqué souvenir. Mais c'est marqué très très vite parce que c'est même mal écrit parce que Annabelle était dyslexique et elle s'est trompée dans l'orthographe du mot. Et c'est vrai que notre fille aînée nous l'a donné entre son départ et l'enterrement. Donc forcément, moi j'ai pris ce cadeau et je l'ai mis un peu à deux côtés. Et quand on l'a ressorti plus tard, c'est vrai que ce mot nous a un petit peu choqué. Et on a demandé à notre fille aînée qu'est-ce qu'elle avait voulu marquer. Et elle nous a dit, quand on me l'a fait voir, je l'ai vu qu'elle avait marqué ça et je lui ai dit, mais pourquoi tu l'as marqué? Et là, elle a répondu à sa sœur, je ne sais pas, mais il fallait que je le fasse. Voilà. Mais pourquoi tu l'as marqué? On peut dire que c'était déjà le premier signe, en fait. Tout à fait. Le post-mortem, si on peut dire. Tout à fait. Oui. Et aussi, quelques temps avant, elle voulait qu'on regarde les émissions qui étaient justement sur le paranormal et que nous, on n'a pas du tout regardé, puisque ça ne nous intéressait pas du tout. Donc, elle a regardé, elle, toute seule. Et après, parce que d'autres personnes qui ont perdu des enfants, justement, nous avaient demandé si on avait eu des prémices de son départ. Et après, quand on a écouté les musiques qu'elle écoutait en boucle, les paroles, elle était déjà en train de partir. Oui, notamment une chanson qui s'appelle « We Can Fly Away », donc en anglais, ça veut dire « Nous pouvons voler, nous pouvons nous envoler ». Donc la sortie de l'âme du corps. Donc elle écoutait déjà ça un mois avant de partir. Il y avait un autre chanteur, je ne sais pas si on peut donner son nom. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était Capitaine Riel. Et c'est pareil, dans les chansons, il y a « Je vais voir un autre monde ». D'accord. Mais après, on l'a compris bien après. Ça, hein, c'est en épluchant que tout compte fait, elle savait inconsciemment qu'il allait se passer quelque chose. Quoi. Ah, ça, c'est, pour moi, c'est évident. Hein. C'est ce qui fait la différence entre le conscient et l'inconscient. Voilà, tout à fait. Il y a beaucoup de parents, parce que on a eu l'occasion de parler avec des parents qui ont perdu des enfants, donc quand je dis des jeunes, quoi, jusqu'à 20, 22 ans, et tout le monde il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont eu justement des signes avant qu'ils partent. D'accord. Et bien évidemment, on ne les reconnaît pas puisqu'on est très loin de s'imaginer que l'on va perdre son enfant. Donc toutes ces choses-là, on les découvre bien après. C'est pas dans la logique des choses. Hein. Normalement, on doit partir avant nos enfants, dans la logique. Hein. Tout à fait. Voilà. Et souvent, c'est peut-être à cause de ça qu'on a, avant qu'on comprenne, on a souvent des moments de révolte. On est effectivement dans la colère, bien sûr. Après le départ de son enfant, on est d'abord dans la grande tristesse et ensuite on aborde la colère. Oui. Et cette colère est vite apaisée quand on a les signes de nos enfants. Ensuite, on cherche à comprendre et ensuite on accepte leur départ. C'est clair. En fait, ça fait partie du deuil et de toutes ces étapes. Hein. On a des paliers à passer et pour arriver à l'acceptation, en fait. Voilà. C'est cela. Mais quand on accepte, je ne veux pas dire qu'on est guéri, parce qu'on n'est jamais guéri du départ d'un enfant, mais c'est plus facile, on va dire.
Là, c'est-à-dire qu'on est plus serein, on est plus serein, on est plus apaisé. Et c'est vrai que la souffrance est toujours là. Hein. Vous nous voyez là ce soir, ça va. Mais je veux dire, ça nous arrive encore de pleurer, ça nous arrive encore d'avoir des grands coups de cafard. Mais faut se dire qu'on est là aussi pour les personnes qui nous aiment, notre famille, notre fille aînée qui est encore là et notre petite fille qui est venue un an après le décès. D'Annabelle, donc oui, le départ, si tu veux, d'Annabelle, et il faut vivre pour ces gens-là, ils ont besoin de nous, donc et Annabelle veut qu'on continue notre chemin ici sur Terre parce que le nôtre n'est pas terminé, donc on doit poursuivre notre chemin, et Annabelle nous a investi d'une mission qui est de parler d'elle, de parler de l'au-delà, de parler de ce monde qui est derrière ce voile. Pour que nos esprits s'ouvrent et grandissent et évoluent. Mais oui, c'est en fait vous êtes son porte-parole, c'est-à-dire que vous êtes là pour aller dire aux gens que l'après existe. Tout à fait, l'après existe. Ce que qui dit après dit qu'il y a une fin, alors que finalement c'est même pas une fin, c'est la continuité. Alors, c'est une fin pour nous parce qu'on les voit partir. C'est sûr que c'est la fin de leur corps physique, mais c'est vrai qu'eux, ils continuent à vivre de l'autre côté. Nous, on continue à vivre de l'autre côté du voile. On continue à vivre parallèlement, je vais dire, pour pouvoir poursuivre notre chemin. Et on peut communiquer d'un monde à un autre parce qu'ils viennent très bien nous rendre visite. Nous communiquons par le biais de différents moyens, comme Guy a utilisé l'Ouija, comme moi j'utilise l'écriture automatique. Il y a aussi les médiums. Il y a tout un tas de moyens de pouvoir communiquer. Et il faut les utiliser parce que ils n'attendent que ça, de communiquer avec nous. Ah ouais, c'est évident. C'est évident. Hein. Mm-hmm. Le chemin continue de l'autre côté. Voilà. Et ils continuent à évoluer. Annabelle nous dit qu'elle continue à évoluer, qu'elle continue à apprendre, qu'elle est investie aussi de missions de l'autre côté. La sienne, c'est d'accueillir les jeunes enfants qui arrivent, parce que malheureusement, il y en a encore beaucoup qui arrivent. Et donc, elle les accueille, elle les rassure, elle les accompagne un petit bout de chemin, et ensuite, ces âmes continuent d'évoluer, quoi. Il y a Cathy qui pose la question suivante. Quand a été le premier signe, donc après son départ, pour le coup? Alors, le tout premier signe, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'était les cailloux au cimetière. Ça a été le tout premier signe, donc le lendemain de son enterrement, qui a été le 28 mai. Et donc, le 29 mai, on avait déjà des choses matérielles qui se sont manifestées. Voilà. Il y a Marie qui demande, bonsoir, après le départ de ma petite sœur, de l'autre côté du voile, je suis la seule personne des proches à avoir de nombreux signes. Mais pourquoi que moi ? Est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Eh ben parce que cette personne, semble-t-il, doit être beaucoup plus ouverte d'esprit que sa famille. Et ce que j'expliquais aussi dans les conférences que nous faisons, c'est qu'il faut beaucoup regarder autour de soi, être très attentif. Et si on est très attentif et qu'on regarde l'environnement dans lequel on se trouve, les signes, on les voit. Mais c'est très très compliqué d'arriver à les voir parce que nous c'est vrai qu'Annabelle elle a vraiment mis le paquet parce que l'histoire des cailloux aussi, il faut savoir que Annabelle quand elle était sur Terre a ramassé énormément de cailloux. C'est-à-dire que si on faisait une sortie en forêt ou quoi que ce soit, elle revenait avec des cailloux dans les poches. Moi, j'en avais plein les vide-poches de la voiture et dans sa chambre, il y en a partout. Et c'était son truc, à chaque fois qu'elle sortait, hop, elle prenait un caillou, et puis elle ramenait à la maison. Et c'est comme ça qu'elle a voulu se faire reconnaître, et qu'on puisse comprendre que c'était elle, avec les cailloux qu'elle a commencé à mettre au cimetière. Par contre, les autres signes qu'elle a mis, il faut vraiment être attentif. Déjà, il faut pas demander, il faut pas être demandeur, parce que nous, on s'est aperçu que quand on demandait, des fois on a un signe, mais la plupart du temps on les a pas. Par contre, il faut être attentif. Mais des fois c'est presque rien. Nous, moi j'ai eu un signe. C'était une plume plantée dans l'herbe.
Par contre, quand je l'ai vu, ça m'a tellement paru bizarre que je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais faut vraiment être attentif. Ça peut être un papillon qui va se poser sur vous. Nous, on a eu un oiseau qui venait taper tous les mercredis matin et vendredi matin sur le carreau de notre fenêtre. Voilà, c'est des trucs qui sont un petit peu anodins quand on y réfléchit. Mais quand on y pense, mais il faut avoir l'esprit ouvert pour pouvoir, à mon avis, les reconnaître. Parce que notre fille nous a déjà dit, mais vous voyez rien. Pourtant, on en a vu beaucoup, mais des fois, nous disait, mais vous voyez rien. Ben oui. C'est comme ça, en fait. Des fois, c'est sur le bout de notre nez, en fait. Hein. Et c'est tellement gros que nous, on, dans notre petite tête, on va chercher ailleurs, on va chercher au loin, alors que c'est juste à côté et on voit pas. Et on voit pas. C'est quoi. Ça. Bien souvent, les gens aussi essayent de trouver, une explication rationnelle aux signes qu'ils vont avoir. C'est sûr qu'il faut au départ le chercher, mais lorsque vous avez fait le tour de toutes les possibilités et que vous n'en trouvez aucune qui s'adapte aux signes que vous avez reçus, et ben forcément, on en déduit que c'est un signe qui vient de là. Quand il y a des choses inexplicables, on a eu beaucoup. On a d'abord cherché une réponse rationnelle. On n'en trouvait pas et on s'est dit, bon, bah oui, là, c'est un signe. Oui. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu difficile de les reconnaître. Mais à force, on finit par savoir si c'en est un ou pas. Et voilà. Puis il y a des signes aussi que nous on a eu, par exemple à 6 mois de son départ, voilà, qui a marqué les 6 mois de son départ. On a eu aussi pour notre anniversaire de mariage. Donc il y a des petits trucs comme ça. Bon, après nous c'est vrai parce que comme moi j'étais très cartésien et pour moi il fallait absolument que je trouve une explication. Donc parce que nous elle nous a quand même bougé des objets dans la maison, elle nous a bougé des objets, elle nous a fait des apports aussi avec des cailloux dans la maison. Donc mais j'ai cherché moi comment il était rentré, je l'ai jeté sur le carrelage voir si je l'avais pas tapé avec mon pied. Mais ah non, mais moi à un moment donné je me suis dit je suis fou quoi, parce qu'on pensait qu'on faisait des choses sans s'en apercevoir. Mais après quand on a compris ce qui se passait, et après c'est vrai que dès qu'il y a eu l'écriture automatique, ça a été beaucoup plus simple parce qu'on pouvait poser la question à Annabelle si c'était bien elle, et qu'en écriture, elle nous disait oui, papa ou oui, maman, c'est moi qui l'ai fait. Déjà, on se dit bon, on n'est pas si fou que ça, quoi. C'est pour un cartésien, je trouve que tu as un langage très très fourni, du style un apport. C'est pas tout le monde qui connaît ça, hein. Ah mais oui, mais disons, c'est vrai c'est j'ai démarré en maternelle, moi j'aime bien prendre ce terme-là. On a commencé au niveau maternel et maintenant on est arrivé à bac plus. On n'est pas encore en licence, mais on va y venir. Voilà, on est encore sur notre chemin, on est encore sur le chemin pour apprendre, parce qu'on apprend tous les jours. Tout le temps, on apprend. Et c'est vrai qu'Annabelle nous a fait évoluer et à une vitesse énorme. Et moi, tant que j'ai pas eu le déclic en disant c'est Annabelle, ça a été laborieux pour moi, hein, parce que j'ai passé beaucoup de temps et des nuits blanches à essayer de comprendre ce qui se passait. Ben oui. On va revenir un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a Cathy qui dit simplement ça. Je connais un couple dont l'enfant a donné tous ses jouets à son frère quelques jours ou semaines avant de décéder. Comme quoi, hein, l'âme sait, alors que notre esprit, notre cerveau ne le sait pas. Mais l'âme, lui, le sait. Tout à fait. Et je peux donner aussi un exemple d'Annabelle. Qui avant de partir chez son camarade de classe avait rangé entièrement sa chambre, sachant que c'était une ado, il y a plus ou moins des objets qui traînent par terre, le lit pas fait, les vêtements un peu par terre, le bureau en désordre. Et là, avant de partir, on s'en est aperçu après, parce que je l'avais pas remarqué sur le coup, elle avait rangé tout, absolument tout était à sa place, le linge était rangé, le lit était fait, l'armoire était rangée, mais vraiment nickel, et comme si qu'elle savait qu'elle n'allait jamais revenir dans cette chambre. C'est,
C'est quand même marrant parce que justement quand on parle de rangement comme ça, moi ça me fait penser aux femmes qui sont enceintes et qui vont aller à l'hôpital pour accoucher. Et en fait, le fait peut-être de ranger, c'est de ranger toutes ses affaires, de mettre tout en ordre. Donc c'était comme si elle allait accoucher d'elle-même en fait de l'autre côté. Tout à fait, comme si qu'elle savait qu'elle allait passer passer une autre frontière, on va dire, hein, et aller dans un autre monde. Mais quand on, souvent je répète ça, mais quand on parle de l'autre côté, souvent on voit le tunnel et la lumière au bout. Et en fait, ça fait penser un petit peu aux organes génitaux de la maman, où le bébé passe dedans ce tunnel là, et de l'autre côté il y a la lumière. Et en fait, c'est ça, c'est un accouchement. Hein. C'est un accouchement, oui, c'est ça, c'est ouais, ça. C'est, on accouche. C'est beau en fait. C'est voilà, quand on le prend comme ça, bien sûr, hein, mais parce que bien sûr, avant c'est... de penser comme ça, il y a des moments difficiles quand même. Hein. Tout à fait. Il y a un chemin à faire avant de penser comme ça. Oui, c'est clair. Alors Marie, depuis que j'ai accepté son départ, malgré le chagrin encore, j'arrive maintenant à entendre ses messages. Est-ce que, hormis l'écriture automatique, est-ce que vous captez vous aussi les messages médiumniquement, on va dire? Non, moi on ne l'entend pas. Je la capte uniquement par écriture. Je l'ai captée au tout début, je la voyais. Mais un jour, elle m'a fait tellement peur que ça s'est coupé. D'accord. C'est-à-dire qu'elle est arrivée sur moi en me sautant au cou et j'ai eu extrêmement peur. Donc, de ce jour-là, elle ne s'est jamais plus manifestée comme ça. Ça ne veut pas dire que ça ne se reproduira pas. Hein. C'est parce que peut-être que tout simplement, tu n'étais pas prête. Tout à fait. C'était vraiment au tout début de son départ. J'ai commencé par la voir, moi. Hein. Mmh. Et ensuite, donc du fait de cette grande peur, ça s'est arrêté. Et ensuite, l'écriture automatique, bien après, a pris le relais. Mais voilà, pour notre part, nous communiquons uniquement avec notre fille par le biais de l'écriture automatique. D'accord. Et comment justement ça se présente? D'ailleurs, vous l'expliquez dans votre livre, hein, Maman, Papa, je vis toujours. Vous expliquez, oui. J'ai vu qu'à la fin du livre, on va dire aux deux tiers, vous parlez de l'écriture automatique. Tout à fait. Voilà, il y a un grand paragraphe là-dessus. Et c'est bien. Bon, j'ai pas encore eu le temps de lire le livre, hein, parce que, je l'ai reçu que ce matin. Oui. Désolé. Pourtant, j'ai mis, version rapide. La poste n'a pas voulu. Les mystères. Mais c'est en même temps, ça permet d'avoir une discussion vraiment naturelle et pas forcément basée sur le livre, mais par contre, on parle de ce qu'il y a dedans quand même. Voilà, je trouve que c'est sympa de présenter le livre comme ça, parce qu'en fait, tout ce dont on parle ce soir se trouve dans le livre. Oui, tout à fait. Tout ce dont on parle ce soir se trouve dans le livre, notamment l'écriture automatique, la découverte de tous ces signes, la découverte de l'au-delà, comment on a été amené à cette découverte et le chemin qu'on a parcouru jusqu'à présent, quoi. Et on parle aussi de deux sujets qu'on va peut-être aborder un petit peu plus tard dans la soirée, notamment comment notre fille aînée a vécu, elle, de son côté, le départ de sa sœur, et aussi les problèmes qu'un couple peut rencontrer lorsqu'ils perdent leur enfant. D'accord. Voilà. Donc, pour revenir à l'écriture automatique, au départ, je ne savais pas du tout ce que c'était, et je n'étais pas non plus pour faire de l'écriture automatique. Mais c'est Annabelle qui, par le biais d'un médium en salle, a demandé à ce que je fasse de l'écriture automatique. Donc, je me suis un petit peu renseignée. J'ai commencé avec une feuille, un crayon, une bougie, enfin, voilà, les protections qui vont autour de l'écriture. Mmh. Et au départ, le crayon, il bougeait pas. Hein. Donc, j'ai dû persévérer pour pouvoir faire de l'écriture. Et j'ai même voulu abandonner parce que je me disais, bon, ça marche pas, c'est pas pour moi, c'est pas comme ça que je communiquerai avec Annabelle. Et lorsque j'étais sur le point d'abandonner, Annabelle est venue dans mes rêves
pour me dire non, maman, enfin, elle était dans une belle lumière blanche, assise par terre comme peuvent le faire tous les ados, et elle pleurait. Elle pleurait beaucoup et elle disait « on n'y arrivera pas, maman, j'y arriverai pas, c'est trop dur ». Et moi, maman que je suis, je l'ai poussée, je lui disais « mais si, on va y arriver, tu y arriveras, il faut continuer, il faut persévérer, tu vas voir, ça va marcher ». Et quand je me suis oui, et quand je me suis réveillée, je me suis dit « Oh là là, mais je dis ça, ma petite Marie, c'est pour toi ça, c'est l'écriture automatique. » Je lui ai dit « Il faut pas abandonner, il faut que tu t'y remettes. J'ai dit, ta fille, elle vient pour te dire de ne pas abandonner. » Donc, de ce fait, j'ai repris l'écriture automatique et un jour, le crayon est parti et j'ai eu un cœur. J'ai commencé par faire des cœurs. En fait, ça veut bien dire que tu peux recevoir des messages autrement que par l'écriture automatique, à travers les rêves. Oui, j'en ai reçu à travers les rêves. Alors, au départ, j'ai fait beaucoup de cauchemars, hein, parce que la bannière dont est partie Annabelle a été très dure pour nous. Donc, au démarrage, c'était beaucoup de cauchemars. J'ai fait quelques rêves comme ça, avec Annabelle, un peu plus joyeux, on va dire. Mais ça s'est vite arrêté. Donc, peut-être que par la suite, ça reviendra. Mais pour l'instant, je communique que par l'écriture. Donc, de là, après, sont venus des mots, sont venus des phrases. Et notamment, à un moment donné, je doutais de cette écriture parce que notre mental, il est toujours là, toujours bien présent. Et il nous rappelle à l'ordre en disant, le mien me rappelait à l'ordre en me disant, mais Marie, est-ce que tu ne veux pas écrire ce que tu veux entendre? Est-ce que c'est... Voilà. Donc, un jour, ma fille... m'écrit « Maman, je suis triste parce que tu crois que c'est toi qui écris alors que c'est moi. » Alors là, j'ai regardé ce que je venais d'écrire sur le papier, enfin en pensant que c'était moi qui l'avais écrit, et je me suis dit « Oh là là, Marie, il est temps que tu ailles voir le médecin parce que si maintenant tu doutes de ce que tu écris et que tu te l'écris toi-même, c'est grave. » Et donc, j'ai demandé à Annabelle, je dis « Écoute, donne-moi vraiment... donne-moi une preuve que c'est bien toi qui écris. » Donc, elle me dit « Oui, maman. » Donc, elle écrit « Tu vas aller faire les courses et dans le magasin, tu trouveras une plume et ce sera un cadeau pour Layla. » Donc, Layla, c'est notre petite fille qui venait de naître. Elle avait quelques mois. Donc, je me dis « Bon, une plume dans un magasin. » Je me suis dit... c'est bizarre, moi j'en ai jamais vu. Donc, pour pas faire tout le tour du magasin, je lui ai dit, donne-moi un endroit précisément dans le magasin où je vais pouvoir trouver cette plume. Donc, elle me dit, au rayon des yaourts. Alors là, quand j'ai écrit ça, je me suis dit, là, ma pauvre fille, tu es folle. Rayon des yaourts, une plume, ça s'est jamais vu. Ce sont des produits frais, c'est contrôlé, c'est retourné tous les jours. Donc, je dis, ça m'étonnerait que je trouve une plume à cet endroit. Mais bon, je me suis prise au jeu, j'y suis allée. J'ai fait un premier magasin où j'ai fouillé dans les rayons yaourts. Les gens qui étaient autour de moi devaient bien rigoler. Et j'ai rien trouvé, forcément. Donc, je suis allée dans un deuxième magasin. Et en entrant dans ce magasin, je dis, bon, là, je vais pas le faire. Et puis, une petite voix intérieure m'a dit « si, fais-le quand même, parce que si tu passes à côté, ça serait bien dommage. » Donc, j'y suis allée au rayon des yaourts, j'ai fouillé, je n'ai rien trouvé. Donc là, j'ai dit « Bon, c'est bon, j'abandonne l'écriture, c'est bien toi qui écris, ce n'est pas ta fille. » Et au bout de ce rayon, je vois une console dans laquelle étaient des paquets de couches. Et là, je me dis, en bonne grand-mère que je suis, j'ai dit, je vais aller acheter des paquets de couches pour ma petite fille. Donc, et là, en tirant le paquet de couches de la console, je m'aperçois que sur le paquet est dessinée une plume. Donc, et là, je dis, là, voilà ma plume. Oui, effectivement, elle n'était pas dans le rayon des yaourts, mais à côté du rayon des yaourts. Et c'était bien un cadeau pour ma petite fille, puisque c'était des couches, c'était un paquet de couches. Donc, voilà comment l'au-delà m'a enlevé les doutes, enfin, ma fille de l'au-delà m'a enlevé les doutes que j'avais sur l'écriture automatique.
Mmh. Et par la suite, elle nous a écrit beaucoup de choses qui se sont révélées vraies. Et quand tu es rentrée à la maison, tu as repris l'écriture. Et quand je suis rentrée à la maison, tout à fait, j'ai repris l'écriture et là, elle m'a marqué « C'est bien, maman, tu as trouvé la plume, tu ne vas plus douter maintenant. » Et en même temps, la plume, ça sert à écrire. Hein. En même temps, la plume, ça sert à écrire. Tout à fait. Laurent, toi, tu n'as pas de message directement ? Non, moi, j'ai pas de message. Même pas en rêve, non, parce que moi, quand je dors, si je rêve, je m'en rappelle pas. Donc, je l'ai jamais vu. Bon, j'ai eu quelques signes. Je sais que ma fille me demande de faire de la TCI. Donc j'ai commencé un petit peu, mais bon, c'est un très gros travail quand même pour arriver à la TCI. Et puis bon, je suis pas trop motivé plus que ça. Et donc j'ai fait quelques enregistrements. Par contre, j'ai une personne qui me les a travaillés à ma place parce que bon, j'étais persuadé de rien avoir. Et tout compte fait, il y avait bien des messages de ma fille. Donc maintenant, quand on va en conférence et qu'il y a une médiumité en salle, régulièrement, me demande où c'est que ça en est. Et bon, il faut que je m'y mette. Mais j'ai pas, voilà, c'est en train de se mettre en route. Ben oui, en fait, c'est pas loin, hein, parce qu'il faut s'y mettre. Tout à fait. Il faut s'y mettre, c'est bien. C'est comme pour le livre, elle nous a poussé à l'écrire puisque on n'était pas non plus destiné à écrire un livre. Je suis pas du tout littéraire. J'ai plutôt une formation mathématique. Je suis secrétaire comptable. Donc je suis pas du tout une littéraire. Donc quand elle m'a dit maman, il va falloir que tu témoignes et que tu écrives mon histoire dans un livre, j'ai dit ma petite chérie, là c'est pas pour moi. Et elle me dit si maman, je vais t'aider à écrire ce livre, il faut absolument que tu écrives ce livre. Donc j'ai commencé à écrire, elle m'a aidé beaucoup parce que je ne savais pas comment commencer ce livre. Donc par le biais de l'écriture automatique, elle m'a guidée. Elle m'a guidée sur tout ce que je devais y mettre, sur tous les signes qu'elle voulait qui paraissent dans ce livre, et notamment sur toutes les écritures automatiques que j'ai retranscrites, donc tout ce qui pouvait concerner d'ordre général, tout ce qui pouvait concerner tout le monde, parce que tout ce qui est d'ordre privé, je l'ai gardé pour nous, mais tout ce qui est d'ordre général, nous l'avons mis dans le livre. Elle a voulu aussi qu'on mette tous les messages que nous avons eus par médium. Donc, ils y sont également dans le livre. Donc, c'est un livre vraiment, je vais dire, complet, puisqu'il parle de tout, depuis qu'elle est née, parce qu'elle a voulu qu'on parte de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, quoi. Par contre, parce que bon, si les gens qui, parce que bon, on fait partie de l'association Les Signes à Clermont-Ferrand, et c'est vrai que bon, on va tous les mois, pratiquement tous les mois aux conférences. Et les gens qui sont les habitués, ils pourront toujours dire qu'Annabelle, à chaque fois qu'il y avait une médiumité, le livre s'en est où ? Le livre s'en est où ? Maman, alors à un moment donné, on en croyait même avoir fini le livre, et là, elle nous sort, non, le livre, il n'est pas fini. Hein ? Ou alors du genre, la couverture, ça ne va pas, il faut refaire. Hein ? Donc le livre, c'est nous qui l'avons matérialisé. Ouais, c'est ça. Mais c'est elle qui, c'est son livre. Moi, je dis, c'est son livre, c'est pas le nôtre. En fait, là, c'est elle, tout ce qui est dedans, la couverture, c'est elle qui a demandé l'arc-en-ciel, le papillon, la fleur, tout ce qui est dedans, c'est elle. Nous on a juste fabriqué, c'est tout. Hein. Même le titre, c'est elle qui l'a choisi. D'accord. On va rappeler quand même le titre, je le montre à l'antenne. Voilà, voilà. Alors, maman, papa, je vis toujours. Voilà. Avec voilà. Une petite, on dirait une jonquille rouge. Ça ressemble à une jonquille. Oui, je sais pas trop ce que c'est comme fleur. Une narcisse, je pense. Une narcisse rouge que c'est. Voilà. Parce qu'on avait mis. Voilà. À un moment donné, on avait mis un papillon bleu.
C'est magnifique. On avait mis un papillon bleu, ça, le papillon lui plaisait, le premier papillon lui plaisait pas. Ah non, mais ça, et nous, c'est que ça a été un peu perturbant, c'est quand on nous a dit, non, non, le livre il est pas fini, il faut mettre toutes les écritures, tous les messages que vous avez eus en salle et en médium privé, parce que moi, on a retranscrit presque 25 messages publics en médiumité. Bon, on a mis juste ce qui était important pour le livre. Après, tout ce qui était vraiment personnel, on l'a gardé pour nous. Et après, quand nous a dit qu'il fallait mettre toutes les écritures automatiques, mais là, on a dit, le livre, il n'est pas fini. Hein. Parce que, et après, quand on a mis tout ça, puis qu'elle nous a dit, c'est bon, ah, là, déjà, on avait fait un bon boulot. On va quand même lire un petit peu les messages qu'il y a dans le chat, parce qu'il y en a hein, quand même. Alors, il y a Cathy, 45, « Quand je vais quelque part... » Ça, c'est un rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure aussi. « Quand je vais quelque part pour un bon moment, je n'aime pas trop que ma maison soit super bien rangée. Comme ça, je sais que je suis obligé de revenir. » Ça, c'est marrant. Bah oui, elle a pas envie d'aller... Oh, c'est pas... pas envie de partir. Elle n'a pas envie de partir, mais elle a bien raison. Il y a encore du temps à faire ici. Nous non plus, on n'a pas envie de partir. Non, notre fille a dit qu'on était encore bien ici sur Terre, qu'elle n'était pas pressée de nous voir arriver. Donc ça aussi, c'est un message à laquelle elle tenait beaucoup, c'est que nous, parents, on voudrait aller les retrouver. Et ce n'est pas ce qu'ils veulent. Comme toutes les mamans, moi j'ai eu des pensées suicidaires, mais dès que je les ai eues, par écriture automatique, elle me disait « Non, maman, non, 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 il ne faut pas venir. » Elle me dit « Ça ne sert à rien de venir nous retrouver. » D'une, on ne les retrouverait pas tout de suite puisque on ne serait pas sur le même plan qu'eux. Et elle me dit « Vous avez encore votre vie à faire. » Elle dit « Moi, je ne suis pas pressée que vous veniez. » Elle dit « Je vous attends, mais vivez votre vie sur Terre. » Et moi, c'est pareil. Hein. J'ai voulu aussi, à un moment donné, j'en avais tellement marre. J'ai dit la solution, c'est de se foutre en l'air, quoi. C'est la solution le plus rapide qu'on pense à ce moment-là, quoi. Oui, mais de toute façon, quand on est en l'air, on retombe. On reste pas. Tout à fait. Tout à fait. Et moi, ce qui m'a empêché de le faire, c'est que j'ai pas eu le courage. J'ai pas eu le courage de le faire, je l'avoue. Parce que des fois, on dit les gens qui se suicident, c'est de la lâcheté. Et ben moi, je peux dire que j'ai pas eu le courage. Oh que non. Moi, j'ai mon frère s'est suicidé, c'est pas de la lâcheté. Voilà, tout à fait. Et moi, j'ai pas eu le courage de le faire. Et tant mieux, parce que après, quand on a découvert que l'au-delà existait, ça aurait été dommage de le faire, hein, parce que on est en train d'apprendre sur un monde qui est fabuleux. Moi ce que le regret que j'ai, c'est de plus pouvoir la toucher, quoi, de plus pouvoir l'embrasser, de la serrer dans mes bras, voilà, c'est ça qui est le plus dur, c'est ça moi qui me manque et qui me hante par moment, parce que j'ai envie de la prendre, mais c'est pas possible. C'est ce manque physique qui est le plus dur. Ah, c'est ce côté-là. Alors là, je confirme. On a beau plus que croire en l'au-delà. Je dis plus que croire, c'est parce que c'est pas qu'on croit, c'est qu'on le sait. Mais il y a ce côté physique et ce côté touché. Mais alors ça, je crois que qu'on soit papa, maman, mari, femme, et qu'on a perdu la moitié ou le tiers de nous-mêmes, il manquera toujours ce côté touché. Ça, c'est... Tout à fait. Voilà, c'est normal, c'est humain. C'est humain. Tout à fait humain, et il ne manque pas qu'à nous, parce que notre fille aînée, Marjorie, lui manque ce manque physique lui pèse aussi terriblement, parce qu'elle se retrouve toute seule. Elle était très complice avec sa sœur, et du coup, elle a perdu cette complicité qu'elle avait, et elle le recherche par d'autres moyens, donc à travers ses amis, mais
comme elles le disent, c'est pas pareil, c'est pas, ils ont pas la même complicité. Mmh. Donc c'est vrai que pour les enfants qui restent, c'est très difficile également. Et, pour moi, je dirais qu'ils ont une double peine parce que ils ont leur peine à eux, mais ils nous voient aussi dans la peine. Et ben, malgré tout l'amour qu'ils nous portent, ils savent pas quoi faire pour que nous soyons mieux, et c'est très difficile. Je sais que Marjorie a traduit ce chagrin. Elle a fait des tatouages. Alors au départ, on n'était pas très pour, mais ensuite on a vu que ça lui permettait de sortir toute cette tristesse, de montrer, enfin, parce qu'un tatouage c'est fait pour être montré, ben pour montrer aussi aux gens qui l'entourent qu'elle a perdu sa sœur et que ça lui fait très mal et qu'elle l'a gravé dans sa chair. Parce que le tatouage, elle l'a mis au-dessus de son cœur avec le prénom de sa sœur, donc Annabelle. Oui. Et par contre, ce qu'on a été surpris, ce n'est pas la date de naissance de sa sœur qu'elle a mis. Ah, y a un bug. Et après, le deuxième tatouage, c'est sur sa cuisse. Et c'est en anglais. C'est en anglais, donc elle a marqué dans mon cœur pour toujours tu resteras, donc en anglais elle l'a marqué, donc pour vous dire que c'est, même si elle ne l'exprime pas de façon orale, elle l'a quand même exprimé par ses tatouages. D'accord. Donc pour nous c'est important aussi de prendre en compte cette tristesse qu'elle a, enfin cette difficulté, parce que ça nous permet aussi de l'aider à être mieux dans sa vie, parce que eux aussi sont très perturbés, hein, finalement. Ils ont du mal à poursuivre leur chemin, ils sont perturbés, et avec Marjorie on en parle librement, parce que maintenant elle est aussi sur le même chemin. Sa sœur a réussi aussi à l'ouvrir sur le monde de l'au-delà, et maintenant Marjorie en parle librement. Elle se sent beaucoup mieux en sachant que sa sœur est de l'autre côté et que sa sœur est toujours présente pour elle, qu'elle l'aide, et ça lui permet d'avancer elle aussi. Ah, c'est super. Par contre, elle a avancé beaucoup, beaucoup moins vite que nous, hein, parce qu'elle a mis presque 4 ans, 4 ans, parce que même pour le livre, elle voulait absolument pas paraître dans le livre, elle voulait pas nous aider. Bon, après... Oui. Voilà, c'était trop dans la colère. Et par contre, il y a un événement qui est arrivé pendant l'écriture du livre. Et du coup, Marie a abandonné le livre en disant non, j'arrête le livre, ça va pas. Voilà, il y a eu un petit problème. Et là, c'est Marjorie qui quand elle l'a su, qui est arrivée à la charge en disant maman, tu vas écrire le livre. Et ça faisait 4 ans que Annabelle était partie, et c'était la première fois qu'elle prononçait le prénom de sa sœur. Et là, elle s'est lâchée et elle a dit « Là, le livre, je vais te donner un coup de main, je vais mettre mon témoignage qui est dedans, et qu'on a pu mettre les photos de ses tatouages, et elle a témoigné dans le livre. » Est-ce qu'elle reçoit des signes de Marjorie ? Alors Marjorie a reçu des manifestations, oui, elle en a eu quelques-unes. Sa sœur s'est manifestée chez elle, mais beaucoup avec sa petite fille, parce que comme vous le savez, les enfants perçoivent et reçoivent bien mieux que nous lorsqu'ils sont jeunes. Donc elle est passée par sa fille Laila. Donc Laila avait des comportements assez bizarres, étranges, ouais, parce que même moi je m'en suis aperçue. Il y a des moments, la petite, elle riait toute seule dans la pièce. On avait l'impression qu'il y avait une présence qui la faisait rire. Mm-hmm. Et Marjorie s'en est aperçue aussi également chez elle. Lorsqu'elle changeait sa fille, à un moment donné, elle l'a regardée, elle ne la touchait pas. Et la petite se tordait comme si que quelqu'un était en train de la chatouiller. Ben oui, c'est Mimi. Donc on pensait, ma fille m'a dit, maman, je crois qu'Annabelle est venue chatouiller Laila, parce qu'elle riait toute seule sur sa table allongée, elle se tordait, et alors que Marjorie ne la touchait absolument pas. Donc voilà, Marjorie a eu des petits signes comme ça. Et Laila, lorsqu'elle a commencé à grandir, là elle a 4 ans actuellement, donc elle va prendre 5 ans. Mmh. Elle avait à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Elle est venue chercher sa maman
en disant « Maman, maman, il y a quelqu'un dans le couloir ». Donc ma fille est allée dans le couloir et lorsqu'elles sont arrivées toutes les deux dans le couloir, elle, la petite, elle a dit « Ah ben non, le monsieur, il est parti ». Alors ma fille lui a dit « Pourquoi, il y avait un monsieur dans le couloir ?» Elle a dit « Bah oui, il y avait un monsieur, il avait une moustache et enfin, elle a décrit l'entité qu'elle avait vue. » Et ma fille, un peu surprise, a quand même vérifié que sa porte d'entrée était bien fermée à clé, parce que ça, c'était le soir. Et bah, la porte d'entrée, oui, était bien fermée. Donc là, ma fille m'a téléphoné après en me disant « Maman, je crois que j'ai eu de la visite, mais je ne sais pas qui c'est. » Donc voilà, Laïla perçoit quelques petites choses pour l'instant. Mais bon, nous ne la poussons pas vraiment dans ce chemin parce que pour l'instant on ne veut pas l'influencer. Si elle doit être sur ce chemin ou devenir médium par la suite, on veut que ça vienne vraiment naturellement. Voilà. Il y a Marie qui pose la question. Ça va me permettre de vous poser une autre question pour, après. Il y a Marie qui dit donc que sa sœur utilise l'éclairage domestique en diminuant l'intensité d'une ampoule, ça clignote en fait. Chez elle ? Voilà, chez elle. Et des fois, elle fait un signe en faisant griller une ampoule neuve, par exemple. Est-ce que, oui. Est-ce qu'il arrive que, ben, que Annabelle fasse ce genre de choses ? Oui, elle a fait ce genre de choses. On s'est aperçu que, parce que bon, mon père... ma mère était décédée avant Annabelle, donc mon père avait retrouvé une amie, donc il habitait chez elle, et puis c'est au moment de Noël, et c'est vrai que nous on est remonté aussi à ce moment-là, parce que bon, c'était un des premiers Noëls qu'on refaisait, parce qu'on a été presque 2 années sans faire de Noël, et en arrivant le soir, on voyait un lampadaire donc public qui clignotait. Quand on sortait de la maison, il clignotait, il y en avait un seul qui était juste auprès de la maison, il s'allumait, il s'éteignait, il s'allumait, il s'éteignait. Bon, alors nous, tout de suite, on s'est dit, tiens, est-ce que c'est Annabelle ? Bon, on a dit peut-être, ou alors c'est une défaillance du lampadaire. Et après, en conférence, Annabelle est passée par un médium en disant que c'était elle qui faisait clignoter le lampadaire. Alors mon père, lui, était cartésien aussi, donc pour lui, ça pouvait pas exister. On lui racontait tout ce qu'on avait comme signe et tout ce qu'on faisait, et pour lui, ça n'existait pas. Mais mon père, étant électricien de métier, quand lui, il a signalé qu'il y avait un problème avec ce lampadaire, donc la ville a fait venir des électriciens. Alors forcément, mon père, curieux, quand il a vu le camion arriver, il a été les voir en disant « Bon, moi aussi, je suis électricien, voilà. » Et donc, les gens, ils sont montés au poteau, ils ont regardé, et quand ils sont redescendus, ils ont dit « Non, il n'y a rien, il n'y a rien. » Et le lampadaire s'est remis à marcher. Et ils n'ont rien touché. Eh bien, dis donc, ben voilà. Tu vois, comme quoi, les questions des infos, ça rapporte des choses sur les autres personnes. Alain. Alors, là, il revient à la TCI pour toi, Laurent. C'est sûr, oui. Que la TCI, c'est beaucoup de travail et de nombreuses heures d'analyse des bandes ou des enregistrements, tout simplement. Voilà. Tout à fait. Parce que pour 5 minutes d'enregistrement, c'est des heures et des heures de travail derrière. Ouais, tout à fait. J'ai déjà été faire un stage d'initiation. Donc oui. J'ai tout ce qu'il faut, mais bon, pour l'instant. Et moi, ce qui m'embête, c'est vrai que les messages par rapport à l'écriture automatique, ce n'est pas les mêmes. Mais comme on communique déjà avec Annabelle d'une façon, j'ai l'impression que ça fait un double emploi. Mais bon, après, je sais qu'il y a les guides qui veulent passer des messages en TCI. Donc bon, à chaque fois, j'ai droit, mais de me faire reprendre. Mais je vais y arriver. Qu'elle désespère pas, si elle m'écoute, il n'y a pas de problème. Papa, il va y arriver. Mais c'est super. Alors, il y a Marie qui remercie pour le témoignage. Elle dit merci pour votre témoignage, il est magnifique. Voilà. Merci. C'est super gentil. Alors, après, on a... Il y a Rej qui dit comme ça. Et les psys en pensent quoi ?
Alors ça, parce que bon, si, là, là on va revenir un petit peu en arrière, parce que pour justement expliquer avec les psys et les médecins, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois de signes et d'interrogations qu'on a eu, là on a vraiment eu un gros week-end, où c'est que moi, très cartésien, il a fallu que je me remette complètement en question et que j'ai basculé du côté invisible. C'est-à-dire qu'on a, parce que là on va peut-être pas avoir tout le temps, mais j'essaie de faire le plus bref. On nous avait demandé de se mettre en contact avec une médium. On nous avait donné l'adresse, une petite carte, qui était en Normandie. Donc on l'a appelée et donc quand on a réussi à l'avoir, donc on lui a expliqué que notre fille était partie, que notre fille ramassait des cailloux. Donc on avait expliqué les premiers signes. Et là, la médium nous fait comme remarque qu'elle aussi a ramassé des cailloux et en vacances au bord de la mer, en mettant la main dans l'eau, il y a un galet qui est arrivé dans sa main et sur ce galet, il y a le visage d'une jeune fille. Donc nous, quand on a entendu ça, on s'est dit, est-ce que c'est pour nous? C'est pas pour nous, c'est de l'escroquerie. Bon, moi j'étais très très sceptique. Donc de fil en aiguille, nous a demandé de venir jusqu'à chez elle. Donc sur ce week-end, donc on est remonté en Normandie. Donc on est arrivé chez la médium, elle nous a fait voir le galet. Et le galet, c'est bien le visage de notre fille qui est dessus, parce qu'on a réussi à retrouver une photo qui est identique au galet. En plus, la médium. Comment ? Je disais, la photo est à l'antenne là. Voilà. Et après, quand la médium m'a dit, on peut le mouiller, le pigment de la pierre va ressortir. Moi, j'ai dit oui, mouillez-le, parce que moi, j'étais persuadé que c'était dessiné dessus. Je l'ai frotté et j'ai beau eu le frotter, le dessin s'en allait pas. Hein. Donc déjà, ça, c'était le premier jour de notre remontée. Et le deuxième jour, comme on était sur la Normandie et qu'il y a une association au Havre, l'éphémère, la cousine à ma femme nous dit, on va aller à une conférence, comme ça vous saurez comment que ça se passe, et il y a une séance de médiumité derrière. Et à la séance de médiumité, je vais te laisser raconter. À la séance de médiumnité, j'ai mon oncle, mon parrain, qui est venu sans photo, donc se présenter et nous passer un message me disant qu'il avait fait passer ma fille et ma sœur, parce que juste avant ma fille, j'ai perdu ma sœur un mois et demi avant ma fille. Wow. Donc, oui, voilà, j'ai perdu ma sœur et ensuite j'ai perdu ma fille et 9 mois après, j'ai perdu mon père. D'accord. Donc, en une année, j'ai 3 personnes très chères à mon cœur qui sont parties de l'autre côté. Donc, mais à ce moment-là, lors de cette conférence, il n'y avait que ma fille et ma sœur, qui étaient parties. Donc, il était venu nous dire qu'il les avait prises toutes les deux et qu'il les avait emportées de l'autre côté, qu'il les avait aidées à passer, à faire le passage de l'autre côté. Et ce qui est très curieux, c'est que je l'ai reconnu tout de suite, mon oncle, parce que sur Terre, il était déjà un peu passeur d'âme, c'est-à-dire qu'il était chariton, donc il faisait partie d'une congrégation qu'on appelle les charitons. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu en Bretagne, c'est une congrégation qui, lors des obsèques, remplace les pompes funèbres pour les gens qui n'ont pas vraiment les moyens de se payer les pompes funèbres. D'accord. Donc, ils transportent le cercueil, ils sont là pendant la messe pour assister le prêtre, ils mettent le cercueil en terre. Donc voilà, ils passent déjà les âmes de terre, enfin de sur la terre pour aux portes du monde de l'au-delà. Et ben lui de l'autre côté, il a fait le contraire, il a pris les gens aux portes de l'au-delà pour les emmener vraiment dans la lumière. Donc voilà, donc il était passeur d'âme sur Terre, mais il l'est aussi de l'autre côté. Donc ce week-end-là, on a pris 2 grandes claques, si on peut dire comme ça. Voilà, en plus, c'était un problème, disons, à part la médium qu'on avait vue le vendredi, mais qui nous avait fait voir le galet, c'était vraiment la première fois qu'on voyait une médium travailler.
Et c'est vrai que moi, ça m'a tellement surpris parce qu'elle tombait juste avec, elle est tombée juste déjà avec nous, et parce qu'elle a décrit le tonton. En plus, moi, je le connaissais bien, le tonton, parce que c'était un ami à moi avant qu'il devienne mon oncle. Et elle l'a tellement décrit que j'ai l'impression qu'il était avec nous, quoi. Et c'est là que j'ai dit, mais Laurent, là, il faut que tu ouvres les yeux. C'est pas possible que cette personne-là le décrive comme ça. Et pendant toute la séance, et c'est vrai que là, toutes les informations qu'a données aux gens à côté de nous, tout le monde disait oui, c'est ça, paf, si vous êtes juste. Et là, ce week-end, ça a été phénoménal pour nous. Et quand on est revenu, alors il y a 6h30 de route. D'habitude, on parle ou on écoute la radio. Là, on a fait les 6h30, pas un mot dans la voiture, pas de radio, rien. Et moi, j'ai réfléchi pendant les 6h30. Et en arrivant à la maison, j'ai dit, Laurent, là, c'est pas possible, il faut que tu changes. Ta fille existe bien et elle est bien là et elle nous le montre. Et elle est bien vivante. Et donc, donc du coup, après ce beau week-end, alors pour nous, c'était formidable de savoir que notre fille existait. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait en arrivant à la maison? Ben, on l'a dit à tout le monde. Déjà, on a commencé à le dire à la famille. Donc, il y en a qui ont ouvert des grands yeux. Après, on l'a dit à nos amis. Alors là, c'est pareil. Et on a même été jusqu'au médecin traitant, parce que dans la semaine d'après, on avait rendez-vous chez le médecin traitant. Et là, ben, on lui a tout déballé. Donc, pour répondre à la question de monsieur qui nous a posé, oui, on en a parlé à une homme de science, on va dire, hein, parce qu'un médecin traitant, c'est quand même quelqu'un qui était très terre à terre. Donc, on lui a parlé de tout ça. Et donc, la réponse a été... Ben, la réponse, c'est au démarrage, elle a ouvert de grands yeux quand même, parce que bon, elle se posait des questions. Et puis après, elle nous a dit, ben, je suis quand même contente parce que vous m'avez fait confiance de me le dire. Et maintenant, je vais pouvoir vous soigner par rapport à ce que vous faites, les démarches que vous faites à côté. Hein, parce qu'elle s'est rendue compte que du coup, ça nous avait fait du bien ce week-end. Parce qu'on est revenu... Bon, on n'avait pas le sourire, disons, jusqu'aux oreilles, mais elle nous a senti vachement bien. Et puis, à un moment donné, à la fin, je lui dis, ben, bon, c'est bon, vous allez pouvoir nous donner des cachets supplémentaires parce que, et là, elle a dit, non, au contraire, je vais essayer de diminuer les traitements. Donc, moi, du coup, j'ai carrément arrêté le traitement. Bon, ma femme a diminué et elle a dit, non, je vois que ça vous fait du bien. Donc, je vais en tenir compte et je vais vous soigner par rapport à ça. Alors après, je veux pas dire que tous les médecins ont eu la même réaction, peuvent avoir la même réaction qu'elle, mais c'est vrai qu'elle a été avec nous, mais une bouée de sauvetage, parce que l'au-delà nous a tiré vers le haut, et elle, en plus, elle nous a tiré avec, et ça nous a fait énormément de bien, et c'est pour ça que maintenant, on est dans cet état d'esprit, qu'on peut maintenant témoigner, qu'on peut parler de notre fille sans qu'elle, bon, il y a des larmes qui montent par moment, parce que c'est obligé, on a trop d'émotions, mais ce que je veux dire, c'est pas tabou, on peut en discuter, et on arrive à revivre. Oui. Alors, une autre question, enfin, un autre petit témoignage, c'est Cathy. Alors, je pense aussi que le côté sans contact physique est très dur à vivre, et le côté de voir la personne, surtout nos enfants, car on les trouve toujours beaux. Voilà. Donc, elle veut dire par là que quand c'est un enfant, c'est peut-être encore plus dur que quand c'est un adulte qui part de l'autre côté, quoi. Bah. Tout à fait, parce que bon, moi j'ai l'exemple, c'est que j'ai ma mère qui est partie 5 ans avant Annabel. Bon, comme tout enfant, j'ai eu de la peine. Mais bon, j'ai dit c'est ma mère, elle était malade. Bon, c'est le sens de la vie, quoi. Donc je l'ai accepté. Ma fille, je l'ai pas du tout accepté. Hein. J'ai mis beaucoup. Même si maintenant, c'est compliqué à dire, parce que j'ai accepté qu'elle soit partie, mais quelque part, j'ai du regret, quoi. Ouais, c'est ça. Je l'ai accepté, mais je regrette ce qui s'est passé, même avec l'ouverture de l'au-delà qu'on a. Tu tolères, on va dire. Tu tolères. Voilà, je tolère. Hein, mais même avec tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a vécu, hein, tout ce qu'on est en train d'apprendre, c'est beau, c'est bien. Mais si voilà, c'est ce manque là qui est très très difficile, quoi.
Merci, merci, oui, pour ce merveilleux témoignage. Il fait chaud au cœur. Merci, et c'est de la part de Lilou. Merci, Lilou. Merci. Voilà. Jean-Pi qui dit bonsoir, madame et monsieur Pelletier. Et monsieur Jeff, enfin, et Jeff, quoi. Psy égale cartésien, non? Ça, c'est une question. C'est de la part de si. Marie, toujours. Psy, si. Le côté psy égale cartésien, je sais pas. Moi, je pense le côté psy égale cartésien, oui. Enfin, ils sont peut-être pas tous comme ça, mais non, bon. Non. Pour la plupart, oui, psy égale cartésien. Ils ont besoin de faits concrets, ils ont besoin. Voilà. Par contre, pour revenir au médecin, parce qu'après, nous l'a dit un petit peu plus tard, et parce que c'est un cabinet qui a 3 médecins, et c'est vrai qu'après qu'on lui avait tout dit, elle a quand même été voir ses confrères pour leur dire ce qui s'était passé, pour s'orienter, parce que c'est vrai qu'elle s'est un petit peu trouvée démunie par rapport, parce que c'est la première fois qu'on lui a avoué ce genre de pas de phénomène, mais de témoignage. Et elle s'est trouvée un petit peu, donc elle a demandé à ses collègues, ils ont dit, il faut surveiller, voir comment ça se passe. Et c'est pareil, nous, quand on l'a dit à tout le monde, alors il y a des portes qui se sont fermées, il y en a d'autres qui se sont ouvertes. Par contre, nous, parce que c'est vrai que l'entourage ou même la famille ont peur des sectes. Parce qu'il y a des sectes qui sont à l'affût, justement, des gens qui sont dans la faiblesse morale et qu'ils en profitent. Et nous, on est parti du principe on dit tout ce qu'on fait, même, après, s'il y a des gens qui veulent pas entendre, ceux-là, on les a laissés de côté, pour que si, des fois, on dérapait, parce que nous, on va pas s'en rendre compte. Donc, on disait aux gens, on va à une conférence, on va à tel endroit. Et puis, on leur disait, surtout, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui est anormal, vous êtes là pour faire le garde-fou. Et c'est pour ça qu'on en a parlé. Alors, il y a des amis, ils ont été se renseigner sur les associations où c'est qu'on allait, voir si c'était sérieux ou quoi que ce soit. Alors, c'est là qu'on dit déjà que c'est des vrais amis. Parce qu'on a appris plus tard qu'ils faisaient des réunions chez eux, entre amis, pour voir où c'est que, pour les renseignements qu'ils avaient, pour justement nous accompagner. Et surtout qu'on se fasse pas arnaquer, parce que ça arrive beaucoup aussi qu'il y a des charlatans partout aussi, hein. Faut être très méfiant. C'est clair. D'ailleurs, je sais que, enfin, j'ai cru savoir que vous allez du côté d'Evreux bientôt chez Karima. Tout à fait. On va chez Karima et aussi on va chez Christian Cambois à Rouen, dans son association, c'est Génération Confondue. Tout à fait. Karima, c'est. Et ça, c'est au mois d'avril. C'est le 8 et le 9. Alors, le 8 chez Karima et le 9 chez Christian Cambois. Et moi, je suis le week-end prochain, je suis chez Karima. D'accord. Vous lui souhaiterez le bonjour. Vous lui direz qu'on prendra contact avec elle, justement, parce qu'il faut qu'on l'appelle pour voir un petit peu, parce qu'on en est encore loin du mois d'avril, mais bon, ça va arriver vite, donc on l'appellera pour qu'on puisse se mettre en contact pour la conférence. Alors, Cathy, on comprend bien que même après tous ces signes, ce n'est pas à la même relation que quand votre fille était physiquement avec vous. Voilà. Elle dit qu'il y a quand même une différence entre le fait que l'enfant soit là ou que l'enfant soit parti de l'autre côté. On n'a pas pas tout à fait la même relation. Effectivement, alors au tout début de l'écriture automatique, Annabelle était, on va dire, encore un peu proche de la Terre. Donc, et dans les relations qu'on avait, elle était très gaie, très joyeuse. Elle s'amusait dans son écriture automatique. Maintenant, c'est vrai qu'on voit qu'elle a évolué, qu'elle a grandi, qu'elle a mûri. Et c'est vrai que son écriture est quand même plus posée. On voit que c'est différent. Elle a mûri, elle a changé. Donc effectivement, c'est comme, même si elle était restée sur Terre, je pense que cette évolution, on l'aurait observée également. Mais je pense pas qu'il change vraiment le caractère. Je pense qu'il le garde. Ils évoluent comme nous de l'autre côté, sauf que on ne les voit pas évoluer. C'est là la différence. On s'en rend compte uniquement parce que on écrit avec eux, mais c'est vrai que physiquement on ne les voit plus évoluer. Mmh. Donc j'ai une question qui m'arrive comme ça dans la tête, c'est bizarre. À quand le deuxième livre ?
Oui, normalement, il y en a un deuxième qui est prévu. Il y a un deuxième qui arrive. Ouais, c'est ça. Il y a un deuxième qui arrive. Il est prévu, oui. Les fondations sont en train de mettre les jalons des fondations pour l'instant. Parce que Annabelle nous avait mis en écriture, ou non, même par médium aussi, elle avait dit que quand on fera les dédicaces du premier, le deuxième se mettra en route. C'est vrai que là, parce qu'on a une amie aussi qui fait de l'écriture automatique, et Annabelle l'a chargée de nous rappeler régulièrement qu'il faut mettre le deuxième en route. Voilà. Donc là, on a mis les jalons et on attend d'avoir vraiment le contenu pour pouvoir commencer à préparer le deuxième. Tu sais à quoi tu me fais penser, Laurent ? Non. Tu me fais penser à une femme qui attend un bébé parce que à ta façon de parler, tu dis on met le deuxième en route. Bah oui, parce que le premier, on a mis plus on de 5 ans. 4 ans. Ouais, presque 5 ans pour l'accoucher avec un peu de douleur, donc c'est pour ça. Hein. Je l'ai ressenti comme ça, moi. Après, c'est ma femme qui les a mis au monde, mais bon, je l'ai ressenti comme ça. Ah oui. Voilà. Et le deuxième, ce sera encore une fenêtre sur l'au-delà aussi. Oui, alors normalement, le deuxième sera vraiment plus technique, d'après ce que j'ai compris. Ça sera vraiment la vie là-haut, en quelque sorte. Comment ils évoluent là-haut, comment ils interfèrent avec nous par les biais des écritures, enfin, toutes ces méthodes de communication, leur mission qu'ils effectuent là-haut et un petit peu comment ça s'emboîte les uns dans les autres, quoi. En gros, comment les niveaux voilà. On va dire les paliers. Les paliers. Enfin, comment ça se passe, comment est leur vie là-haut, quoi, en gros. La première vue, ça serait le sujet, hein, d'après les premières disons les premiers messages qu'on a eu sur le deuxième livre. Je coupe un petit peu. Comment le premier est arrivé au niveau des paragraphes, tout ça, vous avez d'abord écrit les paragraphes en gros et puis après vous avez comblé le paragraphe avec les textes comment que ça s'est goupillé, quoi? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'était Annabelle qui oui, nous a donner les chapitres. Donc, elle a voulu qu'on commence par sa ville. Hein. On l'a fait chronologiquement, en quelque sorte. D'accord. On l'a fait, le départ de sa naissance, de son départ vers l'au-delà, les premiers signes, et ensuite est venue l'écriture automatique, ensuite est venue les médiumnités, tout ça. Enfin, on l'a fait de façon chronologique. D'accord. Voilà. Alors, il y a Fleur maintenant. C'est sûr, je vis la même chose dure, le manque physique, mais j'arrêterai jamais d'en parler. Il continue à vivre de cette façon-là. Tout à fait. Il faut décrire. Tout à fait. Il faut surtout pas que les prénoms de nos enfants deviennent tabous. Ils continuent à vivre à travers nous et le fait de parler d'eux, ils adorent ça en plus, hein, que l'on parle d'eux. Donc pour nous, Annabelle est toujours vivante et on parle régulièrement d'elle. Je veux dire, quand il y a une situation qui nous amène à penser à elle, on dit ah bah oui, tiens, Annabelle, elle aimait bien faire ça. Pour les personnes avec qui pour les personnes qui sont ouvertes comme nous vers le monde de l'au-delà, ben là on parle carrément d'écriture, de ce qu'elle nous dit, voilà. Donc oui, Annabelle fait partie toujours de notre vie et elle fera toujours partie de notre vie. Il faut surtout pas que le prénom de nos enfants soit tabou, parce que ça, c'est pas bon. Et par contre, les gens qui ne nous suivent pas sur le chemin d'au-delà, eh ben on les côtoie et on n'en parle pas. Voilà. Après, on leur a dit un petit peu au démarrage, là, quand on est revenu de ce week-end, et maintenant, quand on a vu que ça choquait, on leur a dit, si vous voulez savoir quelque chose, c'est vous qui nous demandez, mais nous, on vous dira plus rien. Et de temps en temps, on nous pose quelques petites questions. Où c'est qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait?
Voilà. Mais non, après, on n'en parle plus. Si les gens, si ça leur convient pas, on peut vivre sans en parler aussi, je veux dire. Mais par contre, après, bon, qu'on est en association ou quoi que ce soit, on en parle librement, puisqu'on est, on est là justement pour faire passer le message d'Annabelle. Alors, par contre, il y a un truc qui est surprenant et que nous, on a pu rencontrer par rapport au contact physique, c'est les animaux. On a une chienne. Oui. Qui d'abord c'est Annabelle qui s'en occupait dès qu'on l'a eue quand elle était toute petite, et cette chienne, elle a des comportements anormaux, presque humains, et moi je suis persuadé qu'Annabelle passe par le chien, parce que quand vous êtes sous le canapé, le chien vous se pose sur vos genoux, met une patte de chaque côté des épaules et vous fait des bisous partout. Non, mais c'est phénoménal, parce qu'il y a même des gens qui parce que nous on dit oui c'est Annabelle, on dit, et il y a même des gens qui nous disent mais ton chien il a un comportement, il est pas normal, et c'est vrai que quand je la touche, c'est bon, après c'est peut-être mon imagination, mais j'ai l'impression de tenir ma fille, quoi. Mais bon, c'est mon chien, je veux dire, c'est mais les animaux ils sont phénoménales, hein, parce qu'ils passent très très bien par les animaux, ils arrivent à leur faire des choses, mais les chats c'est pareil, hein, ils arrivent à contrôler des chats, à leur faire des trucs, mais c'est beau. Ah, oui. c'est beau. Mais de toute façon, comme je disais, les animaux, ils sont très proches de notre côté, ils sont très connectés par rapport à nous. Hein. Surtout les chats. Oui. Moi, j'ai un chat un peu espèce aussi. Hein. Voilà. Alors, j'imagine que c'est Guy Faverdin. Je te salue, Guy. Il pose la question suivante. D'ailleurs, Guy s'occupe de l'association de Clermont-Ferrand, Les Cygnes. Voilà, et il a également écrit un livre, Ils ont tant de belles choses à nous dire. Donc voilà, je profite pour en parler aussi. Vu que lui d'ailleurs, il a à chaque occasion qu'il a, il parle de votre livre, donc il n'y a pas de raison. Alors on fait l'appareil, comme on dit. Alors il dit comme ça, il pose cette question: avez-vous des conseils à donner aux parents dans votre cas? Des conseils? Eh ben, le premier conseil que je leur dirais, c'est déjà d'une, de ne pas aller rejoindre leurs enfants. Ça, c'est oui. D'une. Continuer à poursuivre leur chemin ici sur Terre, et surtout de croire. D'avoir un esprit ouvert. L'au-delà existe, leur enfant continue à vivre, et il faut qu'ils regardent autour d'eux, qu'ils essayent de percevoir les signes, parce que leurs enfants leur en font, c'est sûr. Et surtout, moi, ce que je leur conseille aussi aux parents qui perdent un enfant, et c'est là aussi que je voulais aussi aborder ce sujet, c'est que, bien évidemment, les couples, lorsqu'ils perdent leur enfant, se murent dans un silence. Ils se murent avec leur douleur. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour nous. Mon mari ne montrait pas sa peine. C'est-à-dire que moi, je pleurais tous les jours. Et mon mari, lui, rien. Enfin, j'avais l'impression qu'il poursuivait sa petite vie tranquille, comme si de rien n'était. Et moi, je ne supportais pas. Voilà, on ne parlait plus d'Annabelle, on ne parlait pas du drame, on ne parlait de plus rien du tout. De toute façon, il n'y avait absolument plus aucune communication, à part pour simplement savoir ce qu'on allait manger et le temps qu'il faisait dehors. Mais on n'avait plus une vie de couple. Quoi. C'était terminé, c'était fini. Il y avait une grosse cassure. Et moi, ce que je conseille aux parents qui vivent la même chose que nous, c'est de parler. Lorsque j'ai dit à mon mari, voilà, je ne comprends pas ton attitude. J'ai l'impression que tu te fous royalement de ce qui nous arrive. J'ai l'impression que tu n'aimes pas notre fille. J'ai l'impression que ça te fait ni chaud ni froid le fait qu'elle soit partie. Je lui ai dit, moi, je prends mes valises et je m'en vais. Je veux qu'on divorce. Là, j'ai provoqué chez lui une réaction, parce que il m'a dit non, si tu pars, comment je vais faire, c'est pas possible, je pourrais plus vivre. Et j'ai dit, mais pourquoi tu ne montres pas ta douleur, pourquoi tu ne pleures pas? Et il me dit, mais tu pleures déjà assez comme ça, donc
Vas-y, dis. Voilà, parce que moi, disons, je la voyais tellement dans la peine du matin jusqu'au soir que je ne me voyais pas disons, pleurer devant elle. C'était la surchargée encore en plus. Et je me disais, non, Laurent, tu ne peux pas faire ça. T'es déjà l'homme de la famille. Il faut que tu restes l'homme fort. Par contre, tous les soirs, j'allais pleurer au fond de mon jardin. Et même ma fille l'a dit en médiumité en salle, elle a dit « Papa, arrête d'aller pleurer tout seul ». Et c'est comme ça aussi qu'elle s'en est aperçue que c'était ce que je faisais. Alors après, on a pleuré ensemble et on a pu rediscuter. Et après, je me suis lâché et après, on a retrouvé une vie de couple. Mais c'est vrai que moi, je me voyais mal de la surcharger de tristesse vu que dans l'état qu'elle était. Et elle, c'est ce qu'elle voulait. Mais on ne s'est pas compris. Oui, c'est-à-dire qu'on vit une douleur, enfin, on vit la douleur du départ de notre enfant, mais on ne la vit pas de la même manière. Bah oui, c'est-à-dire voilà, moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'on parle de ce qui nous arrivait, d'essayer de comprendre, de voir que lui aussi, il était aussi mal que moi. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'il a fait. Bon, par la suite, oui, maintenant, quand on a le coup de cafard, voilà, on se met à pleurer un bon coup tous les deux, on se dit les choses et ensuite tout va mieux. Moi, ce que je conseille aux parents, c'est de parler, même si ça fait mal sur le coup, mais le dialogue arrange beaucoup de choses. Les non-dits n'ont jamais arrangé quoi que ce soit. Donc, parler, moi, c'est un des plus importants conseils que je donnerais aux parents, c'est de parler entre eux. C'est important. D'ailleurs, oui. Quand on perd un enfant, en ce qui me concerne, c'est ce qui est arrivé. Donc, je me suis retrouvé à l'hôpital et on m'a demandé si je voulais faire l'autopsie du petit. Bon, j'ai dit oui. Mais on m'a également demandé si je voulais faire partie d'un groupe de parole pour justement évacuer tout ce que je pouvais avoir au fond, quoi. C'est ça, il faut évacuer. C'est tout à fait ça. Il faut sortir cette tristesse que parce que le fait de pleurer, c'est bien, on montre quelque chose, mais on ne le dit pas. Et tant que vous ne le dites pas, cette tristesse va rester au fond de vous. Je sais que ce livre pour nous a été un exutoire parce que nous avons tout couché sur le papier. Nous avons tout vraiment tout dit parce que ce que je vous raconte là au niveau de notre couple, notre fille a absolument tenu à ce qu'il fasse partie intégrante du livre. Donc moi au départ, je ne voulais pas. Je dis, écoute, on va pas raconter ça. Elle me dit, si, maman, c'est important pour les parents. Il faut que tu parles de ça, de la relation que nous avions au moment du décès, juste après le décès d'Annabelle. Et on l'a essayé de le mettre le plus simplement possible dans le livre, mais pour elle, c'était extrêmement important parce qu'elle ne concevait pas que ses parents se séparent après son départ. Mmh. Donc, elle a absolument tenu à ce témoignage dans ce livre. Eh oui. Alors, oh là là. Alors, y a Cathy qui dit comme ça, vous donnez l'impression d'un couple très soudé, ça fait plaisir, continuez comme ça, bisous. Jeff, avant de parler du deuxième, où se procurer le premier le premier livre, hein, j'entends. Hein. Alors, voilà. Le premier. Et bien, le premier peut se procurer chez Amazon, bien évidemment, comme celui de Guy, voilà, tout à fait, parce que ce que nous voulions, enfin surtout ce que Annabelle voulait, c'est que ce livre soit disponible et abordable à le plus grand nombre de personnes. Donc, comme Guy avait déjà une expérience dans ce domaine, nous sommes allés le voir et il m'a dit, si tu veux vraiment un livre abordable, le seul éditeur qui pourra te le faire, c'est Amazon. Donc, effectivement, le livre est très abordable et il est disponible, sur Amazon, sur le site d'Amazon. Et d'accord. Donc, ainsi, nous pouvons toucher un plus grand nombre de parents ou de personnes, tout simplement, qui cherchent simplement une éveil spirituel. C'est absolument. Je veux dire, on n'est pas là pour faire de l'argent, pas du tout. Passer un message qui pour eux de l'autre côté est très très important. Oui. Voilà.
Donc, d'où ce livre à très, 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 très bon marché, je vais dire. Parce que le livre, quand il a fallu mettre, c'est pareil que pour Marjorie, pour qu'elle exprime, qu'elle donne son témoignage, là, on s'est mis à nu dans le livre, et c'est vrai que là, c'est notre vie privée, donc on a hésité quand même de le mettre, parce que ça nous touchait vraiment, mais bon, notre fille a réussi à nous convaincre, et on l'a fait, quoi. Parce que... C'est vos entrailles, hein. C'est voilà. C'est tout à tout fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est être très, très, très convaincante. Et après, moi, je pourrais dire aussi aux gens, c'est que moi, étant très, très cartésien, parce que ça, j'étais ferme et définitif, et je pensais jamais pouvoir changer, et ben, on peut changer et il suffit d'ouvrir son cœur. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. Je vais vous demander votre page Facebook, si vous voulez bien donner, si vous en avez une déjà. Oui, alors on a, c'est surtout ma fille Marjorie qui s'est occupée de ça, parce que alors moi Facebook pour moi c'est l'inconnu total. Donc Marjorie, par le biais de son Facebook à elle, a créé une page pour, simplement dédiée au livre. Donc ça s'appelle, alors faut inverser, c'est L'âme d'Annabelle, maman, papa, je vis toujours. C'est le titre du livre. Oui, d'accord. L'âme d'Annabelle, voilà. Maman, papa, je vis toujours. Ah oui, je vis toujours. En fait, vous avez inversé. Vous avez sur la couverture de votre livre, vous avez c'est ma fille. L'âme d'Annabelle est en bas, en fait. Alors, voilà, est en bas. Mais ma fille, lorsqu'elle a créé la page, elle a inversé le titre. Ben oui, c'est ce que je suis en train de voir. Voilà, elle a mis plutôt le nom de sa sœur en premier, voilà. Et ensuite c'est pas grave, le reste. Hein. Voilà. Allez, on va se prendre encore une dernière petite question dans le chat quand même, parce que alors notre chat nous embrasse comme ça aussi, Laurent. Des fois, en nous prenant le visage entre leurs papattes, avant et des fois, ils nous font une caresse sur la joue avec la papatte. Bah, voilà, voilà. C'est ce qu'elle fait, c'est ce que notre chienne fait aussi. Mais c'est je trouve que ça c'est mignon comme tout, quoi. Ah, c'est adorable. Bah, c'est adorable, quoi. Ça fait du bien. Ouais. Bah oui, c'est clair. Alors, j'essaye de voir s'il y a hop, ici il y a plein de voilà, il y a les deux livres justement. Jean-Pi qui met le livre de Guy, donc ils ont tant de belles choses à nous dire. Merci Jean-Pi. Et votre livre Maman Papa je vis toujours, L'âme d'Annabelle. En fait, c'est inversé simplement. Oui, c'est ça. Voilà. Et moi, je mets le livre de Guy à côté du vôtre. Voilà. Et comme ça, c'est super. Je pense que pour finir l'émission, ça peut pas être mieux que vos deux livres côte à côte. Moi, et voilà, quoi. J'aimerais, pour terminer, remercier tous les présidents et toutes les présidentes des associations d'aide aux personnes endeuillées, parce que franchement, vous faites un boulot magnifique et pour nous, ça nous a apporté énormément en allant en conférence, en allant rencontrer des personnes qui vivent les mêmes choses que nous. Oui. Parler aussi, parce qu'ils nous comprennent effectivement, puisqu'ils sont dans le même chagrin, dans la même douleur, et ça aussi, ça nous permet aussi d'avancer, de ne pas rester enfermé chez soi, de pouvoir continuer à avoir une vie sociale finalement, puisqu'on continue à rencontrer des gens, et on avance petit à petit comme ça. Parce qu'on a toujours... Donc je vous remercie énormément. Parce qu'on a toujours l'impression... qui fait avancer, hein. Tout seul, on ne va pas loin. Voilà, tout à fait. À partir du moment où on partage et qu'on s'approche de certaines personnes, forcément on va avancer. Voilà. Ouais, parce qu'on a l'impression que ce qui nous arrive, ou les situations qu'on a ne sont pas normales. Mais après, quand on en discute avec des parents qui ont perdu des enfants, ils disent, mais nous aussi on est passé par là, nous aussi on a eu cette étape-là, nous aussi, et là on se dit, ah non, on est normal, on est dans le circuit normal du décès d'un enfant. Et ça, c'est très important, parce que on se retrouve reclassé dans la normalisation, au lieu de partir on a l'impression qu'on dérive complet, quoi. Et c'est vrai que les associations, et aussi ça permet de faire des contacts avec des médiums, mais qui sont des gens sérieux.
parce qu'ils sont connus par les associations, et ça c'est très important aussi, parce que on sait que si on va voir ce genre de disons c'est les médiums qui viennent en association, c'est pas des charlatans, et ça c'est très très important aussi. Moi je les remercie énormément, ouais, parce qu'on a beaucoup beaucoup appris avec les associations. Ben oui, mais c'est vrai. C'est vrai, je sais pas combien il y en a, mais à l'époque j'en avais compté 75, mais je sais qu'il y en a plus maintenant parce que ça grandit, bah, il y en a de plus en plus. Bon, il y en a qui ferment. Voilà, Guy les a répertoriés, il me semble de mémoire, ça doit être 103 qui a augmenté. Voilà, ça a augmenté. Voilà, oui, moi j'en tiens une sur Brest. Voilà, et puis je connais quand même pas mal de monde dans pas mal d'associations maintenant aussi, à force de faire des émissions, d'aller aussi au sein des associations. Voilà, ça a apporté la bonne parole, si je peux dire. Voilà, et puis surtout de donner un petit peu d'aide aux gens, quoi, à travers le fait de prouver, parce que c'est presque des preuves, hein, qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Et que, voilà. Et que, un jour ou l'autre, on rejoint ceux qui nous ont précédés, en quelque sorte. Et c'est le cycle de la vie, en fait, tout simplement. Hein. La mort fait partie de la vie. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, s'il y a des associations qui nous écoutent ou qui peuvent avoir relais de cette interview, eh ben nous sommes référencés comme conférenciers. Donc, s'ils ont besoin de notre témoignage, il n'y a pas de souci, on peut se déplacer, il n'y a aucun problème. Au contraire, ça va aller dans la mission qu'Annabelle nous a confiée, et on serait très heureux d'aller dans d'autres associations. Et s'il faut faire les 103, on mettra plusieurs années, mais on est prêt à faire les valises et à partir, il n'y a pas de souci. Moi, je vous ferai venir, mais quand je serai du côté de Marseille, parce que je suis prêt à déménager, et voilà, donc ce sera pas, comme j'ai déjà prévu tous mes les conférences pour cette année, donc peut-être l'année prochaine, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, on sera ravis de venir. Je sais bien que les associations ont une année d'avance de conférenciers, mais après pour 2018, si c'est un peu intéressé du monde, il n'y a pas de souci. Ben oui, mais c'est comme ça, on commence par faire une conférence, et puis après on en fait 2, 3, puis après on en fait 10, 15, et c'est comme ça, hein. Voilà, à partir du moment où on est sincère avec son cœur, ben voilà, ça les choses se mettent en place toutes seules, et puis quand c'est juste, ça glisse tout seul, comme on dit. Et, voilà. Et Annabelle aime bien qu'on parle d'elle en plus, alors c'est pour ça qu'il faut qu'on en profite. Voilà, on va se quitter pour ce soir. Je montre une dernière fois les livres. Je vais montrer, voilà, donc Maman, Papa, Je vis toujours. Et j'ai mis à côté donc celle de le livre de Guy Favernin. Ils ont tant de belles choses à nous dire. Et puis je montre votre livre en gros plan, voilà. Ça s'appelle donc Maman, Papa, Je vis toujours. Et l'âme d'Annabelle avec un joli papillon et une jolie narcisse rouge. Voilà. Je vais vous remercier d'être passé par l'antenne d'LTU. Voilà, c'est merci à toi aussi. Simple et sympathique, comme j'aime, parce qu'en fait, c'est tout simple en fait. Voilà, et ça c'est bien. Voilà, donc. Merci. Bah, peut-être une prochaine fois pour le prochain livre. Merci à toi, Jeff. Voilà. Peut-être pour le prochain livre. Oui, on te remercie beaucoup d'avoir diffusé notre interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à nos éditeurs. Donc cette interview sera rediffusée demain sur Facebook. Donc les gens qui veulent la voir, pour le coup en visuel, elle sera diffusée à 14h. Donc demain sur la page d'LTU Radio. Voilà. Sur ce, je vais souhaiter le bonsoir aux personnes qui restent dans le chat. Alors il y a le 78, 72, Alain, Cathy et Riviera. Nizou, Marie, Lilou, 57, 31, Paola, Rège, 18, Guy, 23, Jean-Pi, 20, Fleur, Flip, 85 et 47. Et je souhaite le bonsoir aussi aux personnes qui ne sont pas dans le chat, parce qu'il y en a. Et le bonjour à ceux qui nous regarderont demain. Voilà. Voilà, sur ce, je vous fais bonne soirée bisous. À tous. Et puis, bisous. Vous aussi. Bonne continuation à tout le monde et puis gros bisous à tout le monde. Et bonne nuit. Au revoir. Alors, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci.